monde les gens, ici Babouliné pour le 32e épisode de notre Let's Play sur Breath of the Wild dans sa version Wii U. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on s'était quitté la dernière fois, c'est-à-dire devant la statue de la déesse de Cocorico. On avait obtenu notre 12e cœur après avoir fait les derniers sanctuaires de la région de Firon, d'ailleurs région que nous avions terminé d'explorer en attendant de faire... faire les Nokorogu en fin de Let's Play. Et aujourd'hui, je vous propose de faire vite faire des tours par la fontaine de la Grande Fée pour voir si on peut améliorer des trucs avec son arbre. On a quand même eu des trucs isolants, donc on va peut-être de quoi les améliorer. Et une fois qu'on aura fait ça, on va se mettre en route vers la région d'Akala au nord-est. D'ailleurs, on va activer une quête qu'on a dans le coin pour vous donner une idée. Bon, on va faire une planète. On va mettre celle-là. Parce que vous voyez que notre objectif, c'est cette région qui est là et d'atteindre à terme le point l'autre scientifique. Voilà, et comme ça, une fois qu'on sera à Calan, on pourra aussi en profiter pour aller faire le sanctuaire qui se cache là-dessus. Voilà, le programme du jour étant défini, donc on va faire un détour par la fontaine de la Grande Fée pour essayer d'améliorer tous les trucs qu'on a au niveau 1. Et puis on va se mettre en route vers la région d'Akala. Ce sera pas mal. Ça sera même plutôt pas piquer des hannetons, je pense. Allez hop. Non, 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 tu descends. Allez, direction la fontaine de la Grande Fée. Est-ce qu'on a des princesses de la sérénité qui ont repoussé, j'en voudrais. Alors elles sont près d'un des arbres là. Oh, fleurs silencieux, ça je prends. Près de cet arbre là, oui, on en a. Une, deux, trois, parfait. Est-ce qu'on n'aurait pas des fées en plus? Carotte vigueur, je prends. Oh oui, on a des fées. Je vais d'en choper encore une. Il y a la petite fée, merci. Une deuxième petite fée, merci, hop. Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose avec ce qu'on a, Madame la Grande Fée, Madame Kotura? Ok. Donc, là il me faut toujours des champi-tempo que je n'ai pas. Et là il me faut de la jolie chuchu jaune que je n'ai pas non plus. Très bien. Combinaison furtive, je crois qu'on avait tout ce qu'il faut. Mais donc il nous faut encore 5 champi-tempo plus 6 jolies chuchu jaunes. Ok. On fera juste qu'on trouve des chouchous jaunes et puis voilà, on sera tranquille. Mais ouais. Allez, donc maintenant on va partir d'où pour aller à Akala. Je dirais qu'il faut suivre une route. Dans la route là, a l'air d'y aller. On va suivre. On va partir du relais des marécages, donc sanctuaire de Kayamiwa. Voyons voir ce qui se cache par là-bas. Ouais. Bien. Alors le relais, il est juste là. On va récupérer Orion. Et on va. Tiens d'ailleurs, la recette qui est à l'intérieur, elle a changé ici. Corne de l'Isel, Gricorne ou Rive de l'Isel Fausse plus Libellule, je sais pas quoi. Alors est-ce qu'on a ça? Alors, du coup, c'est ces trucs-là, c'est Corne de l'Isel Fausse avec des libellules. C'est des libellules, je crois. J'en ai. J'ai pas de libellule, on dirait. Par contre, j'ai plein de petits matériaux très très sympas à vendre. Ouais, bah non, finalement, on oublie. Ah, tiens, yo, ça rime. Eh hey, Terry. Oh, une flèche archéonique. Fruit de technologies anciennes, la courte lame qui sert de fer à cette flèche contient de l'énergie anti qui détruit les ennemis. Elle est redoutable contre les gardiens. Bah, merci monsieur. Allez. Oui. Je veux vendre.
Alors, les trucs que je veux vendre, nous avons les diamants, on les garde, on est d'accord. Les caves d'Orendrak, je sais toujours pas à quoi elles servent, je vais la garder, on sait jamais. Voyons voir, Opal Brut, 60, bim! Saphir Brut, 260, bim! Topaz Brut, 360, bim! Juste la veuve. Non, est-ce que tu vois quelque chose d'intéressant? Des flèches, des grenouilles, papillons ignifus, ok. Je vais prendre le bundle de flèches. En fait, je vais prendre toutes les flèches que t'as. Ce sera plus simple. Allez, ciao, à plus! Bon, écoutez, cher monsieur, je voudrais mon cheval. Alors, on va prendre Orion. Ouais. Allez, on va le récupérer. Let's rock'n'roll. Allez, viens Orion, on y va. Et donc, on va partir vers le nord. C'est le nord. Alors, il faut qu'on fasse comme ça. D'ailleurs, à la tour là, je suis en train de me demander. On va, enfin, je sais pas si c'est une tour, mais le repère là, je vais le supprimer. Pareil, le repère bleu, je vais plutôt en faire un. Je vais plutôt en mettre genre une épée, allez hop, comme ça. On va vraiment garder ce qui importe pour notre. Pour ce qu'on fait à l'heure actuelle. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Et boop. Allez. Tu suis la route, mon petit? T'inquiète pas, rien, tout va bien. Attends, on voit une tour là-bas. Ah non, c'est pas la région qui m'intéresse pour l'instant. Mais de toute façon, on y passera cette tour. Vous en faites pas, tout il va bien, on va s'y arriver. À un moment donné. Juste pas aujourd'hui. Hop. Ah, c'est ça que j'ai oublié. Il me faudrait un point de téléportation plus proche. J'aurais. Faut que je prenne le marteau qui est chez moi. Ah, parce que les bombes, ça va 5 minutes pour récupérer les matériaux, mais pour l'instant, j'ai pas mieux. Allez. Attends. Top. Ça, c'est un sanctuaire. On va aller jusqu'au sanctuaire, ça va nous servir de point de téléportation. On va le faire, tant qu'à faire, hein. On va le faire, tant qu'à faire. Eh ouais. Alors, attends, la question qui. Ouais, c'est bon, on a un pont pour contourner la rivière. Et vraiment, le sanctuaire, il est pile sur notre chemin. Et qu'est-ce que tu fais, Orion? Qu'est-ce que tu fais? Tout doucement. Pire, si tu veux que ça aille bien, tu chantes Orion de Metallica, c'est pas mal. Bon, pont de Myst. Genre le mec qui a fait éclat pourpre. Ok, donc là, il y a un petit feu de camp. On va le laisser tranquille. Ok. Alors oui, je sais que j'avais dit que finalement cette région-là, on la ferait pas aujourd'hui. De toute façon, on la fera pas, ne vous inquiétez pas, je tiendrai parole à ce niveau-là. C'est simplement pour avoir le point de téléportation. Oh, une Gerudo, bonjour. Savak. Je me présente, mon nom c'est Zebai, du peuple Gerudo, grave-toi-le dans le crâne. Ça va faire un bon bout de temps que j'ai quitté la cité Gerudo pour sillonner les routes, mais mon ardeur est intacte. Il paraît que les Gorons sont des durs à cuire, peut-être qu'ils résisteront aux flammes de mon amour. Ok. Ah bah tiens, en parlant de Gorons, voilà un. Eh mec, comment que c'est? Eh, c'est l'ordre de Eddie Murphy, mec. Ah, moi c'est Uldon, ambassadeur touristique du village Goron. Les chemins qui mènent au château d'Hyrule et à la montagne de la mort ne sont pas de tourpeau, ça c'est sûr. Le Goron avec le sourire, mais wololo quoi. Wololo. Alors, le sanctuaire. La sanctuaire à proximité. Oui, en même temps je l'ai marqué sur ma map. Il est juste là-bas. En plus, on va en profiter pour stationner Orion dans les environs. Écoute, mon cher Orion, tu vas m'attendre ici. T'inquiète pas. Il y a quelque chose qui m'intrigue là-bas. Évidemment, comment on va devoir nager? Armure Zora. Voilà, en plus on a l'attaque tornade. Ou alors j'ai l'impression que les boosts dans l'eau avec l'armure Zora consomment nettement moins de stamina. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Non. Non,
Alors, c'est vrai qu'on pourrait scanner avec Polaris s'il n'y a pas quelque chose. Ah ah! Ok, il y a un Octorok. Ok, c'est le moment de faire péter l'arc de la dévotion. Je vais te casser la gueule. Tiens, mange ton cul pourri! Et on va prendre un arc à point de moco. Allez hop. Donc du coup, il y avait un truc par là, donc on va le récupérer, on va le mettre où? On va le mettre, je sais pas, moi attends, on va le rapprocher, on va le mettre... Lève un petit peu mon petit Link, voilà. Caméra 2, caméra 2. Ici. Évidemment, ça a loupé. Ouais, non, 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 on va essayer d'y aller doucement. On soulève. Alors, on approche un petit peu, on pose par là. On va le laisser là, ça passe. On va peut-être prendre un poil plus de hauteur pour diriger. On va essayer comme ça. Ou alors on va le mettre au centre là, un petit peu plus loin. Genre un tout petit peu comme ça. What? Attends, on va le rapprocher un poil. Comme ça? Qu'est-ce que... Oh, attends, ah mais non. Ok, faut reproduire le machin qui est là, et du coup, faut le mettre à droite. Ok, j'ai compris. Pas besoin de facepalmer, enfin, vous l'avez peut-être déjà fait, hein, en même temps, ça ne fera jamais qu'un facepalm de plus dans ce let's play, non? Dans ce let's play, hein. Voilà! Et ça fait popper un Korogu. Ce qui nous fait 8 noix. Ok, mais du coup, ce sanctuaire-là, moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors on va rééquiper mon armure qui dépop sa maman. Et on arrive devant le sanctuaire de, comment tu t'intitules, Mirotsui. Ah bon, on va se le faire. On est juste là, on va en profiter. Bah ouais. Tranquillou. Je tire à même poète poète. Alors, quel est le concept de Monsieur le Sanctuaire? Parce que oui, je l'appelle Monsieur le Sanctuaire, moi. Alors, s'il s'agit de modérer sa force. Je vais pas faire ça. Modérer sa force. Qu'est-ce que c'est que ce Bataclan? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, d'accord. D'accord, c'est un espèce de golf, j'ai l'impression. Oh, ça va être fun. On trouve un marteau en fer qui a un boost coup de grâce, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dégager dans le menu des armes? Au pire, on va dégager la rame. Le truc de fulguration, ça a l'air fun. Alors, on va récupérer ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe si je donne un coup là-dedans? Ok, ça fait popper un nouveau truc. Donc il va probablement falloir qu'on prenne le marteau. Et si je comprends bien, c'est du golf, donc il faut imprimer de l'énergie au truc pour l'envoyer de l'autre côté. C'est un espèce de mini-golf, donc Cinétis devrait nous être utile. C'est en toute logique. Donc on va figer ça et... Alors, 1, 2, on va essayer 4 coups. Par contre ça part pas droit. Ok, il faut plus de 4 coups. Bon, par contre, je vais avoir besoin d'une nouvelle bouboule. Donc, on recommence. Et cette fois-ci, il faut donner... Non. 1, 2, 3, 4. On va essayer avec 5 coups. 6. Ouais, alors c'est ça, mais il faut l'envoyer droit. On sort par où? Je vois même pas la sortie. Il est en haut? Ok, bon, on va recommencer. Ok, donc, Cinétis. On va essayer de se mettre bien droit comme ça. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Encore une fois, c'est pas bon. Hein. Encore une fois, c'est pas bon, je suis trop à droite. Alors, il faut que j'arrive à mettre la caméra comme il faut. Voilà, là on est bon. 1, 2, 3, 4. On va essayer 5, non, 6. Allez.
5. Ok, donc maintenant on sait que 5 coups ça suffit. 1, 2, 3, 4 et 5. Normalement on est bon. Et boum, 3 en 1. Il y a une deuxième section, ok, ça va être fun. Ok, là il va falloir donner un coup de cinétisme par ici. Ah, est-ce qu'il y a déjà quelque chose d'intéressant d'un côté comme de l'autre? Non. Ok, donc il va falloir qu'on redonne un coup de cinétisme et qu'on tape ce machin, je suppose. Allez, 1, 2, 3, 4. On va essayer 4 coups. On va pas y aller à fond. Ok, très bien. C'est fun tout ça. C'est très très fun. Attends, si on a le machin, c'est-à-dire qu'il y a encore un coffre qu'on peut récupérer. Je vais aller voir c'est quoi pour le coffre. Oh, on va se marrer. Ok, donc il y a deux coffres par ici. Et là par contre, ok, ça va être fun. Bah du coup, si je me remets bien... Non, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, caméra. Comme ça, ça devrait être bon. On cinétise. Allez. 1, 2, 3, 4. On va essayer 5 coups pour voir jusqu'où ça va. 5, c'est ce qui a marché tout à l'heure. Là, par contre, il faut 6. Là, par contre, il faut 6. Ok. Allez, 1, 2, 3, 4, vite il me faut une arme, 5, 6, 7, 8, j'ai mis plein de coups. Oh, ouais, j'ai mis trop de coups, mais l'idée était là, j'ai mis trop de coups. Bon, bah du coup, est-ce qu'on peut avoir un marteau là-dedans, s'il vous plaît? Merci. L'idée était là, c'est 6 coups qu'il faut mettre, je crois. Allez, non, ça va pas le faire. On va attendre que ça finisse, là on est bien placé. On va défiger, on attend que ça recharge. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal, là, on n'est pas trop mal. Je sais pas si la caméra est bien, là. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oh, oui, 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 oui. Oh putain, c'est passé. Nice, nice. Ah, oh, je suis content. Ah, oh, j'ai le moral. Ah, oh, c'est passé quasiment du premier coup. Et là-dedans, on trouve un cœur antique géant. Très bien. Bon, bah, et c'est pas mal. En plus, on va vers un endroit où ils pourront donner une utilité à ce machin-là. J'ai envie de dire, c'est pas une mauvaise chose. Moi je vous dis, c'est pas une mauvaise chose. Ok, bah du coup, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a finalement pas besoin d'aller rechercher un marteau. C'est vrai que si j'avais su qu'on en aurait un gratos là-dedans. Bon, enfin bon. Ça va nous faire un nouvel emblème du triomphe qui va nous en faire 41. Ça veut dire que le prochain, ça sera le numéro 42, la réponse universelle. Vous savez, la réponse est 42, tout ça. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Ça rend un petit babouliné content. Ça, ouais. Allez, ça c'est fait. Donc maintenant, on va pouvoir se mettre en route vers Akala. Bon, finalement, ça veut dire qu'on a fait le bon détour. Comme ça, on est tranquillou. Je dirais même, on est pouette-pouette. Et c'est très important d'être pouette-pouette, les gens. Je vous le rappelle. Il serait aussi important, ce sac ça charge. Merci. Oh, il fait moche. Ok, il n'y a pas d'orage, très bien. Du coup, armure Zora. Allez, comme ça, on récupère le cheval et on part en direction d'Akala. Hop, perchant du rond, je prends.
encore un petit peu. Parfait. On va rééquiper ça, ça et ça. Allez, viens Orion, on y va. Du coup, faut que je revienne par là où j'étais. Hop. Voilà mon grand. Voilà, on revient vers la route. Ceci, il faut qu'on parte vers... Ouais, là, on a l'air de se diriger vers la bonne route. Le sanctuaire, là, on l'a déjà fait. Et voilà, on revient du... Ouais, voilà, on revient vers le feu de camp. Attends, il y a quelqu'un. Bonjour. Yo, t'es venu faire de la glisse sur bouclier, c'est ça? C'est quoi, ça? Mais si, t'inquiète, c'est moi qui gère les détails. Tu vois cet arbre là-bas? Il y a mon pote qui est juste en dessous, il va t'expliquer. Allez hop, va le voir. Ok. Je peux se demander si gentiment. Eh, salut! Désolé que Finn t'a un peu forcé la main. On est membre des Brise Boucliers, un club glisse sur bouclier. On est que deux, mais bon... Ah, la glisse sur bouclier, quel bonheur de dévaler les pentes à toute allure. Je ne peux que t'y encourager. Il n'y a pas de bouclier, pas de soucis, on en a quelques-uns à vendre par ici. Au passage, on a du bouclier, le bouclier en fin de mois, alors si on peut en vendre un ou deux. Du coup, c'est des trucs que j'ai déjà pris. Au pire, tu sais quoi, pour faire de la glisse, je te prends un bouclier en bois. Ouais. La sacoche est pleine. Fuc. Au pire, je peux faire de la glisse sans t'acheter un bouclier. Si je glisse en direction du nord-ouest. Par là? Par là. Ah, j'ai loupé mon coup. Alors. Oh. Qu'est-ce qu'il a envoyé valser? Attends, c'est quoi ces mobs? C'est des stades des alphos, ok. Voilà. Youhou! Ah, oh, c'est fun! C'est fun! Oui, c'est marrant! La paix de cheval et ma tosse brisée fut. Bon, par contre, j'aimerais bien rejoindre mon cheval, moi! Ah là là, encore un crochet! C'est beau Zelda quand même! Tu pars pour faire un truc et tu fais 4 fois l'opposé parce que tu trouves des machins qui peuvent être fun, comme de la glisse sur bouclier. Vas-y, attends, on va rigoler un peu. Youhou! Bon, on n'aura pas pu glisser bien loin. Attends, mec, mec. Mec, t'as un bouclier, mec, vas-y, fais péter. Je vais prendre un bouclier de chevalier. Bouclier de chevalier, tu le vends combien? 300 rubis, ça va. Le bouclier d'Iga, mais bon. Je vais pas m'éclater à faire du... Oh! Un sorcier. Non, c'est pas un sorcier. C'est une Gerudo. Ok, parce que je pensais que c'était un sorcier parce qu'en plus je cherche un sorcier de feu pour la quête des armes à limite, ce serait bien. Mais bon, moi ce qui m'intéresse c'est de reprendre la route. Parce qu'on n'est toujours pas arrivé à Kala, hein, je pense que ça se voit. Allez, on traverse. Oh, je vois des gemmes Nox là-bas. Je vois des gemmes Nox. Nox, si tu nous regardes. Est-ce qu'on a un chemin qui... Ouais, si on fait le tour du lac, je devrais pouvoir y aller et miner tout ça. Alors, au niveau des armes, hop, on va tout de suite équiper Monsieur Marteau. Oh oui, regardez-moi ces beaux gisements. Allez. On se met là et... Youhou! Regardez-moi ça comme c'est beau. Hop, 3 gemmes Nox. Je rappelle que toutes les 10 gemmes Nox, on peut avoir un diamant. Oh, gemmes Nox plus Silex, et là... Encore plein de gemnox. On en a combien? On en a 16. Pas mal. C'est-à-dire que d'ici 4 gemnox, on a 2. On peut aller échanger 2 diamants. Alors les diamants qui apparemment servent pour une quête plus tard. Comme ça, on est tranquille. Voilà, on les esquive bien. Allez. C'est parti, on reprend notre route.
Donc cette tour là, oui, c'est la tour de l'anel, on l'a déjà faite. Au revoir. Non, parce que toi, je sais que tu vas vouloir me taper. Je me suis déjà fait avoir il y a pas longtemps, mec. Hein. Voilà, puis là, au croisement, on prend la route la plus au nord, donc on prend à gauche. Parce qu'à droite, on va vers le domaine Zora. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est d'aller dans cette direction. Oh, vous voyez ça, c'est le mont du péril, enfin montagne de la mort, je sais plus comment ils appellent ça maintenant. Je sais qu'ils appelaient ça mont du péril dans Ocarina of Time. Montagne de la mort, c'est bien aussi. Quand même pour montrer que c'est pas la montagne la plus sympa de tout le pays, quoi. Allez. Donc on va suivre tranquillou la route. Oh, c'est un sorcier de quoi? Ça a l'air d'être un sorcier de glace, ça. Vas-y, je vais m'occuper de ton cas quand on rigole. Allez, longue épée électrique, ma grande. Allez, par contre, j'ai pas de truc à 114. Hé eh, tu les vas. Couché. Oh, c'était beau. Oh, c'était beau. Baguette de glace, j'ai déjà pris dans photo. Oui. De toute façon, j'ai plus de place pour la récupérer. Mais bon. Il me tonne tel le petit vislard. Allez. Allez, on y va. Continuons. J'aperçois une tour par là-bas, ce serait... Hop, arrête-toi deux secondes. Ok, je la vois plus la tour. Je voulais la marquer. On va attendre et... Regardez quand même comme la monte, comme le volcan est proche de nous quoi. Ok, donc il y a ouais, je pense que c'est la tour qu'on recherche qui apparaît par là-bas. Voilà. Je crois qu'on vient officiellement de poser le pied à Kala. Enfin, techniquement c'est plus Orion qui vient de poser les sabots là-bas, mais bon. On est dans la région qui sera notre prochain objectif. Ça c'est cool. Allez. Premier objectif maintenant dans cette région, la tour. Hop. Verrai-je un sanctuaire par là-bas? Allez, demi-tour, on va y aller. On va aller vers le... Oui, il y a un sanctuaire qui nous tend les bras. Alors, je sais pas si c'est la bonne route. Mais calme-toi. Bon. Voilà. Allez. On y go. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'arrête comme ça en plein milieu de la descente? C'est pas comme s'il y avait un obstacle cette fois. Allez. Bonjour. Serais-tu un vilain monsieur? Ou une vilaine madame plutôt? C'est quoi déjà? Oui. Parce que je me doutais que t'allais vouloir me casser la figure. Tu laisses mon cheval tranquille. Ce one shot, c'était obscène. Oh putain, Orion, bien ouais-je. Oh bien ouais-je. Ah t'as géré. Ah t'as géré. Je dirais même que t'as géré du poney. C'est quand même ironique pour un cheval. Attends, tu vas me dire que c'est pas un sanctuaire de la région où on va, ça. Et m'occuper de votre cas, les mecs. Parez mon cou, l'espèce d'enfoiros. Par contre, je tiens quand même un minimum. Ah ça, voilà. Là, par contre, la Draco m'a su beaucoup, je m'en bats un peu les couilles. Allez, l'épée de chevalier aussi, tant qu'à faire. Voilà. Tout va bien, cher monsieur. Alors, bon, on récupère une Draco Massu et une masse à pointe. Ok. Ça va ? Un remède Vitalis, merci. Et toi, t'as quelque chose à dire pour ta défense? Ok. Très bien. Bon, allez, direction le sanctuaire.
Allez, on y va, Orion. Ah, à mon avis, il a l'extrême limite de la région. En fait, oh, encore un sorcier de glace. Ouais, je vais le laisser tranquille, celui-là. Oh, un relais. Relais du pied de la montagne. Ok, oui, effectivement, j'ai pas l'impression que ce soit la bonne région. Mais bon, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on a un sanctuaire qui est là, on va se le faire. Et puis au pire, ça nous fait un point de téléportation pour quand on commencera à aller vers nos, aller voir nos copains Lego. En tout cas, je sais que c'est mes copains, je sais pas si c'est les vôtres. Oh, il y avait un lézard. Alors, ce sanctuaire, c'est le sanctuaire de Moakishito. Allez, 42e sanctuaire qu'on va faire dans tout le jeu. C'est parti. Et c'est parti, mon... Et Kiki. Mais oui, évidemment. Toujours parti le Kiki. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ouvrir la voie. Cinétis. Ça me paraît bien. On a quelque chose d'intéressant par ici. Mais relève-toi, espèce de boulet! Je vais me barrer parce qu'elle va me foncer dessus. On va attendre que ça recharge. Parce que je vois un truc qui ressemble à un coffre par là-bas. Non, c'est pas encore prêt. En fait, idéalement, il faudrait que j'arrive à la bloquer en plein vol. Comme ça. Vas-y. Cours, Link. Cours, cours, cours. Excellent. Et là-dedans, on trouve une épée de chevalier. Bah, c'est bien, je viens d'en briser une. Quoi, tu vas me dire, j'ai pas de place, tu te fous de ma gueule. Ah oui. Hop, voilà. Attends, j'ai de la place. Et du coup, ok, c'était le seul coffre, j'ai l'impression. Ouais, non. Oui, non, non. C'était le seul coffre. Ouais, non, c'était pas le seul coffre, ok. Allez, est-ce qu'on peut s'envoler par là-bas? Ouf. Bah ouais, à l'aise. Oh, merde. Ça valait le coup d'essayer. Bon, va me falloir un nom-nom. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors, on va manger de la perche. Voilà, on est à fond. Allez, on passe. On passe, on passe, on passe, on passe, on passe. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-haut ou c'est juste des boulets qui tombent? Je vais aller voir. Il n'y a rien par ici, ok. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on passe par là. Comment on fait? Wow! Attendez. Ah, c'est ce succès, non? Ah mince, 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 mince! Non, non, mais... Tu chier! Vas-y, on les pousse par là pour le Lulz. Oh, sérieux, sérieux, mais comment tu passes là? Wow, wow, wow! En sérieux, comment tu passes là? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce? Oh, attends, 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 attends. Il y avait une boule qui était aimantée, je crois. Est-ce qu'on peut la polariser? Enfin, oui. Eh, viens par là, toi. Voilà. C'est bon. Voilà, comme ça. Ouais, c'est vrai que du coup, c'est pas avec Cinétis qu'on ouvre la voie, mais c'est avec ça. Non. Vous me laissez passer, je vous emmerde. Non. Je vous chie dans la bouche.
Ok. Alors il y a un truc que je dois louper. Mais l'idée est là, je crois. L'idée est là. Encore, on y est. Encore un peu. Bah, je crois qu'on y est. Cool. Alors du coup, attends, parce qu'il resterait encore un coffre à ouvrir quelque part. Parce que je vois pas l'icône de coffre. Où qu'il est. En sérieux, il est où le coffre qui reste? Parce que celui-là, on l'a ouvert. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Parce que normalement il devrait y avoir l'icône, je veux dire, comme là par exemple. Là je comprends pas. Attendez, Moakishito. On va regarder parce que sinon j'y suis encore demain. Alors, Moakishito, c'est pas Tour du Lac. C'est pas les Landes Sauvages. C'est quoi? C'est où? Gerudo, c'est pas ça non plus. Tour de la Plaine, c'est pas ça non plus. Tour des Collines, c'est pas ça non plus. Tabanta, c'est pas ça non plus. Bah, il est où? Ebra. Tour Sylvestre. Voilà, je crois qu'on commence à s'y approcher tout doucement. Alors, non, c'est pas celui-là. C'est Moakishito, voilà. Ok. Ouais. Mais non, en fait, c'est bon, hein. Il y avait bien qu'un seul coffre, c'est bien ce qui me semblait. Mais alors pourquoi il me met pas le symbole, j'en sais rien. Tout en plus le symbole il est. Enfin le coffre il est ouvert quoi. Je vais aller vérifier, de toute façon normalement il n'y a plus rien qui tombe. Enfin, à part ça quoi. Enfin, on va vérifier des fois que j'ai oublié quelque chose. Parce que voilà, il y a ce truc là. On est d'accord que c'est bel et bien ouvert. Alors pourquoi il n'y a pas d'icône? Au pire, on va finir le truc, on va voir si ça apparaît après. Si ça se trouve, c'est peut-être juste un petit bug d'affichage, j'en sais rien. Et si jamais j'ai oublié quelque chose, je me renseignerai et puis je ferai ce qu'il faut dans un prochain épisode. Voilà. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que on va pouvoir obtenir un emblème du triomphe. Ça, c'est certain. Il serait pas derrière. Non, comme ça au moins on est sûr, on a vérifié. Vous avez vu que j'ai regardé partout. Bon, bah voilà, hein. S'il est pas là, je peux pas l'inventer. Donne-moi mon emblème du triomphe, monsieur, s'il te plaît. Parce que j'ai triomphé de l'épreuve, comme explicité susditement. Merci beaucoup. Alors du coup, est-ce que ça marche? Est-ce que ça me dit vraiment que j'ai eu le coffre ou si je l'ai pas eu? Bon, je regarderai, je verrai, mais bon. C'est un peu ballot quand même. Bon, tu charges quand tu veux le jeu, merci. Très bien. Ok, donc il veut vraiment pas me le donner. Bon, c'est con, bon. J'y reviendrai plus tard. Là maintenant, j'ai un objectif que j'aimerais accomplir, c'est la tour d'Akala. Je pense que se limiter à la tour d'Akala pour aujourd'hui, ce sera suffisant. Relais du pied de la montagne, c'est très bien. Allez. Donc du coup, on a fini par faire un sanctuaire qui était même pas... Non, allez. Qu'est-ce que tu fous? Allez. On reprend notre route. On explorera le relais là. Quand on aura fini la région d'Akala, puisque c'est littéralement la région voisine. Allez, hop. On reprend pas par là, non. Il y a encore le sorcier. Oh, hop, calme-toi, te cabre pas. Voilà, allez, hop.
On va repartir, on va essayer de localiser la tour. Et en fonction du temps que ça nous prendra, on verra si on s'arrêtera là. A la limite, c'est vrai que faire un épisode un poil moins long aujourd'hui, ce serait pas mal. Mais quand je dis un poil, c'est genre 50 minutes au lieu de 55 minutes, 1 heure par exemple. On est déjà à 40 de toute façon. Ce sera une bonne chose. Allez, continue. Voilà, hop. Alors, je vois la tour là-bas. Stop, 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 stop. Juste pouvoir utiliser ma longue vue pour dire hey, la tour est là-bas et elle est. Oh, elle est pas très loin. Ça va, elle est pas très loin. Elle est pas très loin. Alors allons-y. On aura peut-être le temps de se faire quelque chose en plus. La tour, est-ce qu'elle serait plutôt en hauteur ou pas? On va essayer de passer à côté du camp. Alors, on va essayer de ce côté. Parce qu'elle a l'air d'être quand même pas mal en hauteur, donc plutôt partir par là. Grand pont d'Akala. Eh, je vois un sanctuaire en contrebas. Je vois un sanctuaire. Bouge pas. Bouge pas, Orion. Je vais aller marquer le sanctuaire. Là-bas. Qui est encore dans la région d'à côté. Oui, il est encore dans la région d'à côté. Ok. Wow. C'est quoi ça? Gardien volant. Ok. Ah, et la tour est dans cette espèce de citadelle là-bas. T'es où, Orion? Oh, ça c'est. Ça c'est une autruche. Une autruche! Ah bah. Parfait, faudra que je montre ça au Strich Sigma. Si vous savez pas qui c'est un des modos de la chaîne Twitch. Le lien est dans la description, on fait des lives tous les dimanches! Il est très fan d'autruche, je pense que ça devrait lui plaire. Ok, donc il va falloir qu'on trouve un endroit safe où laisser le cheval. Et on va se farcir l'ascension de ce truc là pour atteindre la tour. Et ben on va se marrer, je crois. Au pire, Orion reste ici. Reste ici, je vais gérer le reste de là. Sanctuaire à proximité. Celui qu'on a repéré, je suppose. Ok, donc. Ok, on a des espèces d'escaliers qu'on devrait pouvoir prendre. Oh god. On va juste essayer d'éviter de se faire repérer parce que ce truc risque de faire super mal. A mon avis, ça doit être un membre assermenté de la SPPP-ACPM, Société de Protection pour Protéger. Et attention, ça peut faire mal. Ah, puis encore un sanctuaire par là-bas, tiens. Remarque, ça pourrait être safe de laisser Orion au sanctuaire. Vas-y. Je vais récupérer Orion, je vais aller au sanctuaire, je vais l'ouvrir pour avoir le plan de téléportation. Je le ferai après la tour, vous en faites pas. Il est noté, il sera noté, vous en faites pas. Voilà, comme ça, Orion est en sécurité. Il est où, Orion? Il est là. Alors, on va l'amener au sanctuaire. Et du sanctuaire. Remarquez, c'est vrai que quand on est au sanctuaire, on peut directement y aller. Il est où ce cheval? Ok, il est là. Ah, il est là, j'avais pris ce truc-là, pas celui-là. Ok, autant pour moi. Allez, Orion, on va vers un sanctuaire. Voilà, comme ça, quitte à le laisser dans un endroit safe, au moins je sais que là, ce sera tranquille. Non, parce qu'avec tous les gardiens volants, les trucs comme ça, je suis pas vraiment rassuré. Encore? Mais qu'est-ce que t'as à faire ça, connasserie de cheval? Ah, si quelqu'un a une explication, je veux bien. Oh, c'est un ennemi, ça? Allez, je te garde ici, le cheval. Ah non, j'allais dire, c'est pas un ennemi, Oh, c'est un relais! Bon, voilà, on peut laisser le cheval au relais, c'est très bien! Et du coup, ici, c'est le sanctuaire de Jizukafi. Ah bon, c'est quoi? On a le temps, on se le fait. Voilà, hein, parce que je suis un type comme ça. Je dis que je fais un truc, mais 5 minutes après, je dis l'inverse. Eh, je fais tellement ce genre de truc que je pourrais presque faire de la politique. Là, ou l'art de retourner sa veste. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Mécanisme de Jizukafi. Oh! Je vais avoir besoin du gamepad. Et en plus de ça, la batterie a eu l'idée de lâcher il y a genre 10 minutes. C'est super. Ah, Nintendo, si seulement vous aviez pu faire un truc qui avait une véritable autonomie. Vous savez le machin qu'on n'est pas obligé de brancher toutes les 2 heures.
C'est genre le truc qui est censé être le machin principal avec lequel tu joues à la console. Ah, sacré Nintendo, va. Donc, il va falloir prendre le gamepad. Donc, normalement, ça devrait. Vous devriez voir une notion. Vous utilisez à présent le gamepad. Alors, forcément, hop, on va toucher. Wait. Est-ce que je peux partager? Voilà. Partager pour avoir les deux, très bien. Donc, on joue au gamepad. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, il va falloir qu'on se crée un chemin, je pense. Ok, c'est un espèce de taquin, en fait. Ok, là, on est pas mal. Ça m'a l'air plutôt bien, comme ça. Ça m'a l'air plutôt bien. Ok, ça passe. Ensuite. Oh, ça va être fun, ça. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ok, je pense que... Ok. Ça déclenche des trucs, il faut passer pendant que ça les déclenche. Got it. Donc on passe par là. Je suppose qu'il va falloir tirer une flèche pour passer comme ça. Là on passe vite fait de l'autre côté. Et on a ce truc là pour atteindre le coffre. Alors qu'est-ce que tu fais si tu tires une flèche? Est-ce que tu fais un tour complet? J'ai pas l'impression qu'il fait un tour complet. Vous savez quoi? C'est vrai que ça me gêne de viser avec le gyroscope du gamepad, j'ai pas l'habitude. Je vais reprendre ma manette pro, c'est plus simple. J'arrive mieux avec ça. J'ai l'impression que c'est plus précis. Ok, là normalement, ça va arriver. On grimpe là-dessus. Et direction le coffre qui contient une lance d'écaille. Ah ouais, mais attends, moi je veux la prendre. Au moins en photo. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut dégager? À la limite, la Draco m'a su beaucoup, c'est vraiment de la merde. Voilà, et tu tombes là-dedans, on récupère une lance d'écaille. Enfin, un poke stick d'écaille. J'aurais juste le prendre en photo si je l'ai pas déjà fait. Voilà, allez. Poke stick d'écaille. Et... Ok, on arrive à la fin, super. Encore un mécanisme par ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ok, là, il faut avoir le gamepad. Wow. On va se calmer là. Wow, hey, oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends. On va annuler, on va essayer de le mettre dans une position neutre. Voilà, ça je préfère ça comme position neutre. Doucement. Ok, il faut placer les trois boules là-dedans. Ok, alors ça deux. Placer les trois boules là-dedans, ouais. Le sanctuaire du mec bourré, le retour. Allez. Ça veut dire qu'il y en a une qui est bloquée. Voilà. C'est bon. Et eh ben voilà. Tranquille. Ça, c'était pas comme le truc qu'on avait fait à l'épisode 13 en live. Là, c'est vrai que celui-là, il était folklorique quand même. Bon, bah du coup, ça fait un emblème du triomphe, je pense, dûment mérité. Allez, donne-moi mon emblème STP. Gros. Frère. T'as vu, tu vois. Donc ça nous en fait 3. Parfait. Plus qu'un, et on va se prendre un petit boost d'endurance cette fois. Mais bon, ce sera probablement pas dans cet épisode. Donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est je voudrais mettre le cheval au relais et je m'occupe de l'ascension. Avec tant qu'à faire, enfin, remarquez, le relais, on peut... Remarquez, non. On peut laisser le cheval... Ouais, non. Laisser le cheval au relais, c'est bien, comme ça, je sais qu'il lui arrivera rien pendant l'ascension. Allez, Orion, t'es là. Je pense qu'on peut encore descendre un petit peu plus bas. Et avoir une route juste à côté, à mon avis. Voilà, et puis on a un sanctuaire. Un relais, très bien. Ah, la flatterie. Et nous voici donc au relais du sud d'Akala. Je voudrais vous laisser mon cheval, SVP. Ouais, je laisse mon cheval, voilà. Comme ça, je sais qu'il est en sécurité. Non,
C'est bon, merci. Voilà, comme ça on est tranquille. Encore une fois, je reviendrai parler à tout le monde plus tard. Oh, du fagot de bois, je les prends. Bon, maintenant on va se marrer. On va essayer d'escalader la tour, on va essayer d'escalader la garnison, enfin je sais pas si on dit la citadelle, on va dire ça comme ça, voilà. Pour essayer d'atteindre la tour. Oh, je pense qu'on va tenter ça une fois, si on n'y arrive pas, on s'arrête et on remet ça au début du prochain épisode. On sera tranquille comme ça. Et le programme est plus ou moins défini. Voilà, voilà, voilà. Tut tut tit tut. Tut tut tit tut tit. Tit tut tut tit tit tut tit. En plus, voilà, il a la bonne idée de pleurer. Oh god, c'est juste là. Ouais, non, les gardiens, je vais vraiment les éviter comme la peste. Parce que ces machins-là, mais ils peuvent me défourailler la tronche en 2 secondes et demie. Au pire, si je dois les affronter, j'aime autant mettre mon bouclier. Relève-toi, Link, relève-toi. Fais pas la ragdoll, putain. Voilà, j'aime autant les combattre avec leurs propres armes. Ok, donc il a l'air de balayer le secteur. Ah, c'est blindé, c'est infesté de bokoblins par ici, hein. Alors. Alors, on va y aller avec la longue épée électrique. Là, mon gros. Forteresse d'Akala. Couché. Oh, il a laissé échapper quelque chose. Il est passé où? Ok, c'est une lance à pointe mobline, très bien. Ça fait combien? Ça fait combien la lance à pointe? Ça fait 9, lol. Allez, on va se barrer parce que je sais que le gardien va pas tarder à revenir, j'ai vu son chemin de ronde. Alors à la limite, quitte à utiliser une épée électrique, je peux plutôt utiliser la petite. La grande, elle est bien pour faire super mal. Alors où est le gardien? Est-ce qu'il y a un autre gardien dans les environs? Ok, non, mais on a un bokoblin noir par ici. Couché. Draco Arbo. Non, on va lui trouver une place. Mais oui. Je veux dire, par exemple, j'ai un arc de voyageur, c'est du caca. Le Draco Arbo. Oh, il y en a un autre. Oh, il y en a un autre. En plus, il pleut. Dégage, dégage. Tu ne me vois pas. Dégage. Je suis une ombre. Il pleut encore. À la limite, niveau armure, je vais peut-être mettre mon set d'escalade. Ça sera quand même mieux. Et bon, il pleut encore, faut que j'attende que l'averse passe. Je vais faire une sauvegarde ici. Parce que vous seul êtes en mesure d'empêcher la perte de vos données. J'aime pas du tout ça, quoi. Est-ce que je peux continuer dans cette direction ou est-ce qu'il se barre? Il se barre pas. C'est infesté par ici. Vas-y, oh 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 oh. Oh non non. Hein? J'ai peur de faire un mouvement, c'est bon. Non, 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 non. Lâche-moi. Et bien sûr, il pleut, donc je peux pas escalader. Ok. Juste descendre pour avoir ça. Est-ce que la pluie peut s'arrêter? Est-ce qu'on peut passer dans la phase soleil, s'il vous plaît, que je puisse escalader? Il ne trouve pas. C'est aussi un gardien volant, ça, c'est... Gardien volant, ok. Peut-être prendre une meilleure photo. Voilà, on va garder ça. Parce que celle-là a été prise de loin, elle était toute nulle. Voilà, là c'est quand même. Il a quand même l'air un peu plus menaçant, quoi. Ouais, on va attendre que ça se calme pour continuer notre grimpette. Il est où? Ok, il s'est barré. Allez, on s'arrête la pluie. Il fait beau. Ce n'est pas le temps que vous recherchez. Juste là, attendre qu'il fasse beau, quoi. Faire remarque, techniquement, je peux escalader ici, hein. Non, je peux toujours pas. Il fait moche. Ok, on va se poser par là. Oh god, oh! Des flèches en bois, je les prends, merci. Ah, est-ce qu'il y a un... Ah, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'endroit où on peut se poser avant très haut. Probablement... Ouais, on va probablement privilégier la route rocheuse. Ouais, là, je vois déjà un premier point où je peux poser, où je peux me poser après. Donc, limite, on peut y aller avec un ou deux sauts. Voilà, là, normalement, Link devrait pouvoir poser le pied. Non? Alors, à côté.
Là c'est un plat ici. On récupère un tout petit peu d'endurance. Non. Tout ça pour ça, putain. Ok, faut que j'arrive à mieux repérer les endroits qui servent de plat. Voilà, là il y avait un plat. Sans la limite, c'est vrai que je peux aussi me passer d'utiliser les sauts. C'est très très bien pour garder de l'endurance. Et puis je pense que c'est plus safe, c'est hors de portée des gardiens. Avec à la limite, si je me dirige vers la droite là-bas, j'ai un bon coin où je peux me, où je peux me poser. Mais je suis sûr que là, Link il peut poser le pied. Bon. On dirait qu'il peut pas. Allez, on va essayer de finir par l'ascension et on s'occupera du reste, comme je le disais, plus tard. Ok, là normalement il peut poser le pied Link, sans problème. Remarque au pire, là on peut faire une petite halte pour récupérer de l'endurance. Voilà, là on est bien. Encore une fois, je m'occuperai de l'exploration de tout ça plus tard. Ah puis on commence à prendre de l'altitude par rapport aux gardiens, ça c'est bien aussi. Ça c'est très très bien. Allez, là il pose le pied, Link. Non ? Pose pas le pied, ok. Eh ben heureusement qu'il y a des sets qui boostent l'escalade, hein, parce que sinon, on serait mal barré. Ok, la tour est en vue, très bien. Oh, c'est quoi ? C'est une espèce de corruption ? Oh, c'est corrompu, ok. Oh là, qu'est-ce qu'on va devoir faire par là ? Faut qu'on esquive tout ça. Faut qu'on trouve le foyer de la corruption, mais il est où ? Oh putain, en plus il y a encore une espèce de connasserie de gardien volant qui est là. C'est toujours un espèce d'œil de corruption qui est quelque part. Un problème, monsieur le Moblin? Oui, j'ai dit Moblin. Prends-toi des dégâts électriques, ma grosse. Tour d'Akala. Couché. Voilà, très bien. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait nous aider par là? Quelque chose? Un indice, je sais pas, moi. Si je descends là, tiens. Ah ah! Est-ce que ça dégage la corruption? Ça en dégage une partie. Ça en dégage une partie, ok. Oh, attends, un coffre là. Oh, j'ai failli le louper, dis donc. Il y a quoi? 100 rubis. Très bien. Où est-ce qu'on pourrait. Ah, éteindre un autre truc de corruption parce que là. Attends. Il y a peut-être moyen d'avoir une espèce d'étape intermédiaire si je me mets sur ce rebord là. Voilà, comme ça, c'est bien comme ça. Voilà. Toi tu dégages, merci. Hop. Non, l'épée de chevalier ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on dégage? En fait tout ce que j'ai là m'intéresse. Bouclier de chevalier, j'en ai déjà deux, ça suffira. Ok, là il y a peut-être moyen. Est-ce que je peux grimper là-dessus? Hein? Est-ce que je peux grimper là-dessus et m'envoler pour passer au-dessus de la corruption? Non, je peux pas. Je peux pas, dommage. Du coup, je fais comment moi? Ok, je fais comme ça. Et un Moblin là, je vais aller lui casser la figure. Salut mon gros! Viens là. Voilà, couché. Tout ça je prends.
Ok, alors là par contre, je vois vraiment pas comment... Où est-ce que je pourrais passer pour pouvoir escalader. Ah, et je vois un sanctuaire là-bas. Boum, on le marque. Il faut que j'observe pour essayer de trouver encore un œil, une source de corruption, parce que là... Ou alors j'ai envie de tenter un truc très con. C'est genre au moment où je vois un truc de corruption, je tente un saut pour passer entre. Enfin je sais pas. Parce que là je vois vraiment pas comment faire. Et si je m'envolais par ici, tiens. Peut-être quelque chose, peut-être quelque chose par là. Non, je viens de là. Je suis déjà allé. En fait, j'ai l'impression de commencer à tourner en rond. J'ai pas l'impression d'avancer des masses par ici. Parce que... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une hallebarde rouillée. Allez, hop, une photo de plus. Là-bas, oup. Attends, est-ce que je pourrais pas lui mettre une autre flèche, genre une flèche de glace? Et puis je vais... Non, on va le finir avec une flèche électrique. Tiens, allez. Encore une autre. Ok, bon, ouais, du coup j'ai plus d'arc. On va prendre un autre arc à point de Boko, très bien. Du coup... Qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, il y a la corruption d'absolument partout. Au pire, vous savez ce qu'on va faire? Plutôt que je reste là, à rester pendant 15 ans, à me demander ce qu'il faut... Oh, attends. Peut-être quelque chose, si je vais là... On va aller tenter un dernier truc, on va se mettre genre en hauteur, mais bon. Là, c'est le plus haut que je... Vous savez quoi? Je vais tenter mon coup de passer en force. Je vais tenter mon coup de passer en force. Genre, si je me mets... Là. Non, ça passe pas. Ça ne passe pas. Bon. Et bah du coup, on peut dire que j'aurais essayé. Et du coup, je pense qu'on va remettre l'ascension de la tour et la découverte de la zone à la prochaine fois. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Breath of the Wild. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, n'hésitez pas à me le dire en cliquant sur l'un des deux pouces en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, partager la vidéo. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou à parler à la chaîne autour de vous si le cœur vous entend tout ça, vous le savez. Et donc on attend la suite où on montera la tour d'Akala et on ira au sanctuaire que j'aurai repéré. Puis on verra si on peut faire d'autres trucs entre temps. Et ben attendant tout ça, je vous remercie une fois de votre soutien. Ne changez pas et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.